Et moi, je suis Randa. Et bienvenue dans les mains sur les cocottes. Ok, ok. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Onet-le-Château pour l'étape 5 du Tour de France, femmes avec Zwift. Prépare les valises, ma jolie. T'as eu ton château pour la maman, alors? Ouais, c'est la kiffance. Pourtant, j'ai pas fait la petite frange. Arrêtez de vous prendre pour Naps, là. C'est le deuxième gâteau en fini. Nous allons vous présenter la recette du jour. L'esto finado à Véroné. Pour cette recette, il faudra... Du persil, 25 cl d'huile de noix, 3 gousses d'ail, 4 œufs, des pommes de terre et 600 g de morue dessalée. Coupez la morue en morceaux et la placer dans une cocotte d'eau froide. Faire bouillir l'eau puis laisser le poisson y frémir 20 minutes. Mettre deux œufs dans l'eau pour les faire durcir. Hacher l'ail et le persil. Sortir le poisson et les goûter. Dans l'eau de cuisson du poisson, faire cuire les pommes de terre épluchées et couper en tranches. Quand les pommes de terre sont cuites, écraser les pommes de terre et le poisson avec une fourchette. Ajouter les œufs durs coupés en rondelles. Faire un petit trou et verser un peu d'huile de noix. Mélanger et ajouter le reste d'huile en mouvant de sa main. Plus qu'à déguster votre esto finado à Véroné. On se rejoint demain à Albi. Merci à tous. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.